On devait du coup retrouver le voleur du point américain. Et là, c'est Hubert qui s'appelait? Je croyais que c'était un autre au début. Mais ok, on doit Ouais, trouver c'est bien Hubert du Hubert, coup. ouais. Et lui, c'était au niveau du moulin. Si je me souviens bien, ça devait être ça. Allez. Oh là là. C'est parti. C'est bon pour toi? T'es où? Ouais. Ah, t'es là, ok. Oh, mais Y'a regarde, personne juste là dans les rues. l'allée comme ça, elle est trop stylée, je trouve. Oh, Ouais. regarde, bah, regarde pourquoi y a personne. Oh! Il y a des mecs qui se battent en fait avec les zombies ici. Les pacificateurs, justement, ils pacifient quoi. Ah ouais. Regarde, mais t'as vu, Il y a regarde un gars la qui est grosse allongé, massue il qu'il prend a tout lui. dans la tête là. Non, mais la massue qu'il a lui, regarde, regarde! Non. Bam! Il est incroyable! Oh là là. Bien joué, monsieur! Bravo monsieur, après vous pouvez nous la passer? J'avoue, tellement. J'ai peur moi qu'ils nous mettent un coup de massue à nous après, hein. Il y a un logo de bouquin en face, tu l'as ou pas? Un Sur ta logo. Ah ouais, boussole. je l'ai. Tu veux qu'on aille voir vite fait, c'est pas très loin. Ouais, on peut aller checker. On doit y accéder depuis le toit, je pense. Ouais, je pense aussi, il faut juste voir un moyen de monter. C'est par là. Ah, mais tu montes comme ça d'ailleurs. Ouais, moi je. T'es plus Hop doué que là. moi, Bah, je me dis, on peut peut-être s'y accrocher. Ah, bah t'as raison. Ah bah, c'est là. Je t'attends. Ouais. Ok. C'est quoi du coup? Il faut lui parler? Et tout. Faut faire quoi? Bah, je pense qu'il faut lui parler. On Non? peut pas. Ah, c'est peut-être quoi? Une zone de repos? Un. Un bouquin, c'est bizarre. On l'a pas sur. Ah, feu de camp, c'est écrit. Donc c'est Ah, juste t'as pour vu nous marquer avertir qu'il y a un un. feu de camp. Regarde quand tu recules, regarde le bouquin. Ah, Ouais. attends. S'assois près du feu de camp. Quand t'es accroupi. Je m'assois. Quoi? Comment elle a fait ça? Attends, vas-y, je fais quitter. Je sais pas trop ce que ça fait par contre, mais. Regarde, reste Peut-être un roman de accroupi. la vie ou un délire comme ça? Et c'est quoi, je m'accroupisse ici et il va me dire un truc? Bah ouais, quand tu t'accroupis, tu vas voir, il y a écrit s'asseoir près du feu de camp. Là, mets-toi là, là où je suis tout pile, là, je peux voir le s'asseoir près du feu de camp. Vas-y, je Ah oui, recule. ça y est, je le vois, ok. Ouais. Bah écoute, on a appris à s'asseoir près d'un feu de camp. Bah peut-être que ça te recharge quelque chose, hein. Oui, je pense que ça a un intérêt, mais bon, de toute façon. Bon bah. Ok. Je pensais que ça allait être un truc de compétence ou quoi, mais non. Pas du Bah tout. du coup, hop. Go, allez, prochaine Voir zone. Hubert. Oui. Ah, nice. Ouais, ça c'est tellement stylé. Par contre, ça me paraît si loin à chaque fois. Bon, elles y sont au milieu, donc tu dis ok, je peux les prendre, mais. Ça me paraît si loin pour sauter Ouais. dessus. Ah. Passe C'est par ta là. zone, ça. C'est en haut en plus d'ailleurs. Ouais, d'accord. Ah ouais? J'ai bien fait de passer par là en Oh fait, oui. purée. Ah bah c'est un peu le même truc, mais celui-là il est plus simple que celui qu'on n'arrivait pas, je pense. Oh, j'ai peur, moi, tu sais, ça peut vite mal se passer. Hubert, c'est vous? Bah Oh, j'ai failli clairement, je pense tomber. que oui. Hein. Bah normalement quand on a plus d'endurance, on avait pris le skill, c'est pour se rattraper. Hubert? Nope, pas moi. J'attends Ubi aussi. Alors fais la queue. Compris. Tu sais quand il sera là? Peut-être dans une heure. Ou dans deux. On sait jamais avec la vieille poisse. Cela dit, il a une très bonne gnoule. Donc ça vaut la peine d'attendre, mec. Y a rien d'autre à faire qu'attendre, j'imagine. On va escalader en attendant. Ah oui, donc là, on fait que attendre. Il va faire Parce nuit, c'est que ça? Hubert, que je me souvienne, c'est quoi? C'était lui le reseller, non, c'est ça? Genre, il refilait Ouais, des objets et tout, et c'est c'est pour ça qu'on ça. va le voir lui, hein. C'est vrai que dans Ah bah. l'épisode de l'autre, des Hé, fois. hey, c'est toi, Hubert? Qui veut savoir? Un client. Je voudrais acheter un truc. Hé, hey, t'es Ah, c'est l'étranger ça. qu'il voulait pendre, non? Hé, hey, Ubi! T'as un client spécial! C'est le pèlerin du bazar! Attends, je veux acheter un truc, c'est tout! Oh non, course-poursuite! Donc, Allez. c'était Ubi, hein? Ouais. Ah. Apparemment, il avait un rendez-vous urgent avec un autre client. Pourquoi on lui court pas après l'argot là? Bah là, si, on va lui courir, je pense. Ça va courir sec, là. Trouver le voleur. Ouais, Ah, c'est c'est bon, ça. go. Si tu l'attrapes, profites-en pour lui dire de me Pas rendre con, il s'enfuit. Attends, pourquoi il y a deux On logos est à là? Ubi. Il y avait. Une seconde. Je sais pas trouvé. Aide-moi. Strouduk court vers le nord-est. Je sais pas, hein, on va à la quête. Il y avait un logo Oh. rouge aussi en même temps. Ouais, et en fait, c'était pour activer le moulin. Justement, je voulais regarder, mais vu qu'on est Ah, timé ok. sur ça, ne perdons pas de temps.
plus vite, Aiden. Ok. J'ai failli faire le boulet. Ouais. Par contre, j'ai fait le boulet. Sérieux? Je continue, bah ouais, moi je cours, je cours. Ouais, vas-y. Par contre. Ah, mais comment je remonte maintenant? Ah, je suis fini. Mais par contre, comment mon perso il. Pourquoi il est tombé là alors que c'était un truc automatique où je pouvais sauter sur le reste là? Comment je me suis loupé à ce point? Je sais pas du tout, mais en tout cas, j'essaye de tracer. Tous les. Ouais, je passe par en bas, je vais essayer de remonter, mais je pense que je serai en retard moi du coup. Tous les trucs où on sautait, on s'accrochait aux barres. Ouais, 30 secondes. Toi, tu vas y être, je pense, t'inquiète. 30 secondes, contre, il a 23 mètres. Ah, mais s'il faut qu'on y soit tous les deux, c'est mort, hein. Je pense que je vais faire. Je peux pas te TP? C'est pas. Je sais pas où il est. Il est pas là. Ah, nickel, GG, t'as activé le truc. Cette petite fouine doit se cacher. Regarde autour de toi. Parce qu'il y a. Je suis là. Attends, je le vois. Vas-y, il y a encore le timer. Tu vois le bâtiment du GRE? Il monte vers le toit. Donc là, là-haut, là? Il va nous mettre un indicateur. Ouais, oh là-haut. Oh non. Tu t'es loupé? Ah ouais. Comment on monte, du coup? Oh là là. À part la gauche, peut-être. Mais ouais, non, du coup, il y avait toutes les barres et ouais, je m'en suis manqué une, je sais pas comment. Je pense que j'ai sauté par l'arrière. Je pense que j'ai dû sauter avec le mauvais timing. Peut-être, hein. Mais du coup, je m'attendais pas à pouvoir me louper là-dessus. Je sais pas comment on monte. Comment on monte, ouais. Là où je suis, tu peux monter, déjà. Ah quoi? Ok. Mais je comprends pas, attends, là où je suis. Qu'est-ce que c'est que. Ah, ok, attends. Ouais, je vois ton truc. Ok, ouais. Faut savoir en fait. Ouais, t'as raison. Il y a une échelle, j'ai l'impression, de mon côté. Oui, de l'autre, là, juste derrière toi, ouais, c'est ça. Pas besoin de stam hein, pour l'échelle, ouais, nickel. Ça, par contre, c'est trop bien, ouais. On l'a perdu. Mais oh non! Sur ce toit, Aiden, trouve-le! Je suis tombé. Plus de stam. Ouais, prends bien la stam. Bah déjà, quand tu fais le saut, ça te bousille ta stam de ouf. Hein. Ah bah oui. Hein. Ok. Ganaïs, bien vu. Hubert, je veux parler, c'est tout. Ok, il est là. Ah oui, bien caché le monsieur. Dis donc. C'est pas tranquille. Laissez-moi. Ne me fais pas de mal, je sais rien. À propos de quoi? Je t'ai encore rien demandé. Je sais rien sur rien, je le jure. On m'a dit que t'étais un receleur. Un receleur? N'importe quoi. Revendeur, peut-être. Je cherche le Lazare. Il était à Lucas, le feu commandant des pacificateurs. Et n'essaie pas de me dire que tu sais pas qui est Lucas. Bon, ben, je sais pas. Tu sais rien sur le Lazare? Tu rigoles? Même si on m'avait offert ce poids américain, j'aurais refusé. Je suis pas idiot. Cette arme est un sujet bien trop brûlant. Ok. On dit quoi? Bah, pourquoi tu t'es enfui quand tu m'as vu? Ok. Pourquoi tu t'es enfui en me voyant? Parce que toutes les 5 minutes, quelqu'un s'en prend à moi. Ok, j'ai peut-être donné aux gens une raison d'être en colère. Mais je vais arranger les choses. Bientôt. Un jour. Peut-être. Comment tu savais que le Lazare était un point américain, hein? Je te l'ai pas dit. Allons, tout le monde connaissait le petit gant d'amour de Lucas. Il était toujours en train de le montrer. Si quelqu'un pensait que je l'avais, il pense peut-être aussi que je l'ai tué. Mais c'est des conneries! Mais quelqu'un a bien cherché à te le vendre, pas vrai? Je t'ai dit que... Ok, c'est bon. Mais je peux pas dire qui c'était. Confidentialité client. Arrête de déconner! Dis-moi, sinon... Elle s'appelle Maya. Je l'ai rencontrée dans l'immeuble de Meatpacking Square, près de la vieille boucherie. Mais c'est tout ce que je sais! Alors laisse-moi! Il surplombe une caserne de l'armée ou un truc du genre. Je trouverai ça tout seul. Ok, bon bah du coup Oh attends, viens! Hé hey, Hakon. Ouais. Hubert a dit que quelqu'un a essayé de lui vendre le Lazare. Tu connais une Maya? Non. C'est bizarre, je croyais connaître toutes les filles ici. Je vais vers Meatpacking Square. Meatpacking Square? Un endroit pourri. Il y a des baraquements que l'armée a installés en 23 quand ça a dégénéré. Ça me fait peur. Elle est censée être dans un des bâtiments qui les surplombe. Ok. On reste en contact, frère. Ah, vous entrez dans une zone interdite. On y va? On y va? J'aime bien le... On y va? Bah non, c'est interdit, on y va pas.
J'ai eu peur. Je suis en train de me dire, lui là. Mais attends, c'est les gros là, c'est les solides. Ouh là là, faut qu'on remonte, Orsa, faut qu'on remonte. Mais je suis mort. Il me fait peur. I'm dead. Bah je. Oui, j'ai capté après que c'est les rapaces, c'est ça? Ouais, c'est un rapace, je crois. J'ai capté au moment où je le tapais, j'étais en mode, mais attends, mais c'est pas le rapace, genre le truc trop chaud là? Comment je fais? Relève-moi. Mais je peux pas, Ors. Je suis mort. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Je suis fini. Je suis désolé. Mais là. Fini. Je suis désolé. Je suis mort. Non, mais là, c'était trop violent ce qui s'est passé en bas. C'est ceux qui me font peur, déjà qui me font flipper, mais alors là. Oh, je suis relâ. Je sais pas ce que je perds quand je meurs, du coup. En fait, je crois que ton stuff il s'abîme. Je crois. On y retourne? Non, 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 il est trop solide. J'ai essayé de le tabasser, ça a pas marché. Et ouais, mais imagine. Vas-y, dis-moi, imagine quoi? Déjà, attends, à 29 mètres. Il faut qu'on y aille ensemble. Okay. À 29 mètres, il y a un truc pour améliorer nos stats, on pourrait améliorer notre endurance. Alors, ou la vitalité. J'avoue que la vitalité, on a tellement une petite barre, ce serait bien de l'augmenter aussi. Hein. Mais alors attends, tu veux qu'on fasse quoi là? Ouais, non, je préfère augmenter l'endurance parce que ça permettra de débloquer des trucs en plus. C'est plus intéressant quand même. Mais bon, tu la veux qu'on aille taper l'autre en dessous? Alors, moi ce que je te propose, ouais, on descend. Tu fais la pas et moi je cours et j'essaie d'aller looter. Attends, j'ai justement des leurres, lancez-le pour faire un bruit assourdissant qui attirera et désorientera les infectés. Quarantaine du GRE active. Il est marqué à 21 mètres. J'ai peur. J'avoue, au niveau des crafts, on a quoi de possible sinon? Pas grand chose, hein. Je fais quoi? Et toi, t'as des leurres sur toi? Ouais. Moi aussi. Comment on les lance déjà? Je sais plus. Ah, c'est la molette. Ouais, une fois que tu les as sélectionnés, c'est la molette. Je fais quoi? Bah, lui, il faut quand même le tuer, je pense. Mais attends, mais peut-être l'autre il a bougé, hein, je sais pas. Ah, oui, vachement. Il est énorme, l'autre. Tu le vois là? Bah, non, mais il a pas bougé, c'est sûr. Bah, envoie un leurre, mais si tu l'envoies d'ici, bah ça va envoyer leurre en dessous de nous, quoi, c'est pas fou. Bah ouais, mais le problème, c'est que comment je descends, là, déjà? Bon, vas-y, je vais comme ça. Il est... Et ça ne marche pas, le leurre, sur lui. Il m'a mis à terre. Oh là là, oh, ça court vers toi. Ah non, ça court sur le leurre. Oh, si, c'est moi. Ah, c'est toi? Non, mais ok, je pense que c'est mort. Tomber, hein. Ouais, pas, hein. C'est peut-être pas pour de suite. Mais je crois que eux, c'était pas eux dans le 1 où il fallait une lampe UV justement pour les. C'est juste bah pour si, les. Si, je pense. Pour les pousser, quoi, en fait. Ouais. Mmh. Bon, je pense que c'est pas vraiment notre level là. Attends, qu'est-ce votre arme est presque détruite. Me dis pas que c'est la toute neuve qui s'est presque détruite. Ah non, c'est ah bon. Bah... Oh là là, je. Non, mais en vrai, peur. Ça va. Franchement, ça va, on a pas pris. Si cher que ça dans nos vies, ça va. Ouais, ça va. Bon, du coup, la quête, elle est où déjà? Là, à 258 mètres, on s'est bien éloigné du coup, non? Ah bah non, à côté. Non, 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 on est au même endroit. Hein. Attends, j'ai envie de sauter quelque part, là. Bah là, à gauche, là, oh, là, il y a un matelas. Hein. Ouais. Oh, t'es dessus? Ah ouais. T'inquiète. Oh là, j'ai failli sauter. Et des endroits, ça me paraît vachement loin, et pourtant, non, tu peux sauter. Ouais, ça passe. Hein. Et il y a le moulin, là. Je sais pas s'il y a un intérêt ou pas, celui-là. À l'activer. Je sais pas du tout. Bon, vas-y, on focus la quête, et puis si on en croise à côté... Bah, on va sur les guerres, hein, à côté. Allez, vas-y. En plus, c'est pour toi, c'est un truc... pour grimper et tout, là. Récompense. Bah, écoute, tenter, ah ouais, il y a des récompenses. Ah oui, là, bah oui, voilà. Bah, récompense, en gros, on va gagner des stats en parcours. On gagne un abri, apparemment, et on gagne une zone avec avec une lampe à UV. Ouais. De ce qu'il y a d'indiqué. Hein. Ah oula. Bah attends, c'est pas négligeable. Il a l'air plus simple que l'autre en plus. Juste, faut aller où là? Bah là, je vais sauter en face, je pense. Ah, j'avais pas vu. Okay. Après, là, il y a une échelle. Ah bah c'est là. J'ai trop peur de tomber. T'inquiète, j'active. Nice, vas-y. J'enlève un fusible et je mets un morceau de métal. Très bien. Oh. Bon bah premier moulin activé. Ça va, celui-ci était simple, c'était cool. Oui.
À la limite, on peut faire ça, ouais, dès qu'on fait des quêtes et qu'on croise un moulin à côté, bon, on en profite pour le faire. Ah, t'as vu, la zone UV, elle est en bas, là, on la voit. Et t'as vu, il y a une énorme tyrolienne. Ah, t'as, toi aussi, t'as le... Il t'explique. Oui. Activer un moulin à vent pour créer une zone sécurisée, un lieu où vous pouvez vous reposer sous la lumière UV. Bah, en fait, c'est ce qu'on a dit un peu avant. Ouais. Ça devient une structure de faction, du coup. La nature de la structure de faction dépend de la personne qui contrôle la zone. Ça transforme les structures abandonnées en structures de faction. Oui. Si ce n'est pas déjà fait, assignez le site au pacificateur ou au survivant. Vous déterminerez ainsi les quêtes et personnes que vous y trouverez. Ah, et t'as vu par contre, c'est pas les mêmes affichages. T'as vu les maisons à droite? Elles sont différentes. C'est deux styles différents, vraiment. Bah oui, il y en a une en mode soit c'est une école, l'autre. Quoique c'est une académie aussi, mais différente, ouais. C'est stylé. Ça, stylé. Allez, on peut sauter là? Moi j'ai vu qu'il y avait une tyrolienne. Hein. Quand ils ont dézoomé, oh bah on est déjà en bas, on peut pas l'utiliser, c'est nul. En bas! Mais non. Ah, t'es là. Ah ouais, c'est bon. Non, je crois là, que y a des caisses, si tu veux. Ah, non, mais non. Du coup, c'est comment on fait pour déterminer à qui ça appartient là, si... Comment ça s'est fait ou pas? Oh! J'ai une machette. Bah, je pense qu'on aura peut-être des quêtes par la suite, non? Et je là, pas, on choisira. Il nous disait, ouais, de choisir. Il y avait du loot là un peu. Ouais, je sais pas trop où c'est pour le moment. Tu m'as dit une machette. Elle ouais. Est où, la machette? En face. Là. Attends, là. Dans le gros panier. Oh, il va faire nuit. Il y a un gros panier. Oh non. T'as vu, il avait écrit encore activité sombre. Cavité sombre. Pas trouvé je sais ta pas machette. Quoi. Bah, moi, elle était là-dedans. Attends, là-dedans. Ah, là-dedans, ouais. C'est une machette. J'ai... C'est une machette. Pas fait gaffe si. Ah, ouais, si ça devait être ça alors, ok. J'ai pas fait gaffe que c'était une machette. On fait quoi? On se repose vu qu'il y a le lit juste derrière nous ou pas? On y va de nuit? Bah, si tu veux le faire tranquille, on peut, ouais. Vas-y. Comme tu veux, hein. Mais c'est tellement stylé, par contre, l'alarme et tout, je m'en lasserai jamais. Ouais. Hein. Attends, parce que là, c'est attendu jusqu'à la nuit, faut pas se re. Ah! Oui, tu voulais dire quoi? Je voulais dire, faut pas appuyer sur se reposer parce que là, ça va juste nous amener à la nuit. Et je suis pas sûr qu'on puisse dormir. Si, c'est bon, on peut dormir deux fois d'affilée. Et voilà, chance. Attendez jusqu'au matin. Ah. Non, mais j'ai bien fait, hein. Oui, 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 t'as bien fait. Oups. 8h du matin. Là. Allez. Allez, on go. On peut y aller. Oh, t'as vu l'affiche de chat en face, là? Enfin, il y a un graffiti ou ah, je sais oui. pas quoi, énorme. Oui, oui, oui. Alors, c'est par où, par contre? Ah, là. Ah, mais t'as l'alarme qui retentit de nouveau aussi pour te dire quand c'est le matin? Je sais pas, peut-être. De quoi? Ah, j'ai un conteneur d'inhibiteur ouais, là, détecté. Ça a parlé, moi aussi. C'est à 28 mètres. Ça se trouve, c'est là dans où la on maison, va en plus. Trouve, non ah, c'est tellement là où on va, j'ai l'impression. Ah oui. Attends, 12 là, mètres. Non, descend, c'est... Ouais, c'est. Ah, tu l'as, toi? Non, non, mais je pense que ça doit être là-dedans. 9, non 8. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ors? J'entends des bruits. Ah oui, bah. Tu l'as? Bah non, mais moi ça me fait flipper ce que j'entends, ça crie. Ok. J'entends les bruits? Ouais, conteneur, il est où là? Ah, y'a que moi qui angoisse quoi, dans cette histoire. Bah, il doit être au-dessus. Bah, ou là, en dessous, là, là, sûrement là-dedans, non? Bah, attends, je vais allumer la flashlight. Mais y'a Gouloum ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça me stresse. Ah, on peut monter là où je suis si jamais. Mais attends, mais... Un trou noir, en effet. Ah, tu peux monter? Moi j'ai l'impression qu'il y a un autre endroit là où je suis. Oh, je l'ai. Tu l'as? J'arrive. Oui. Mais on n'oublie pas, c'est là qu'il y a l'écrit. À looter, et voilà. Ok, c'est bon. Du coup, je sais pas. Moi, je vais mettre en. Ah, mais je me tâte. Nendu parce que, ou santé? J'avoue que je me tâte en fait. Ouais. On a déjà mis un point à Nendu, mais Nendu, c'est quand même fort parce qu'il y a des endroits qu'on peut pas atteindre sinon. Et la santé, même bah, encore une fois, on a vraiment. Tout, On a vraiment. Ouais, voilà, comme tu dis. Alors que là, on a vraiment très peu de santé aussi, donc ça aussi, c'est fort quand même. Je sais pas. Moi, je vais mettre dans Nendu. Vas-y, je mets un en Nendu, mais le prochain, je mettrai en santé, je pense quand même. On n'a pas de points à mettre là. Et du coup, ça a augmenté notre immunité aussi, normalement. Ça, c'est bien. Ouais, et notre immunité, on est passé de 5 minutes 10, je crois, à 5 minutes 27.
Ok, bah, c'est bon. C'était quoi? Me faites pas croire, les gamins, que c'était... historique. Ah ouais? Voilà. Je crois pas du tout, hein. Les deux gamins, là, c'était pas eux qui gueulaient comme ça. Hein. Surtout qu'ils m'ont l'air bien calmes, là. Ouais. Eh, les gamins, je cherche une femme du nom de Maya. Qu'est-ce qui est drôle? Maya, c'est pas une adulte. C'est juste une fille ordinaire. Attends, c'est toi qui as essayé de vendre une arme de pacificateur à Hubert? Ouais, mais le crétin n'en a pas voulu. Il a flippé et m'a chassé. Bah, tu m'étonnes. Tu m'attendais vraiment une grande fille? Bah ouais, tellement. Bah, on lui dit de nous donner le laser ou... Bah oui, oui, oui. Ou on lui demande où elle a trouvé avant. C'est vrai que ce serait bien de savoir quand même où elle a trouvé. Vas-y, où est-ce qu'elle a trouvé? Comment t'as pu mettre la main sur l'arme d'un pacificateur? On l'a tous trouvé. On se baladait avec ses punks et on est tombé sur un cadavre. Ça arrive souvent. Il était complètement mort. Mmh. On l'a fouillé et j'ai pris le point américain. Je me suis dit qu'il y aurait bien quelqu'un pour... On est d'accord qu'elle a pas la même voix d'un coup? Oui, sa voix a totalement changé. Hein, c'est... Je pense qu'elle a un sel, plusieurs personnalités. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? On l'a trouvé. Et vas-y. Maya, j'ai besoin de cette arme. C'est très important. Tu penses que je vais te filer ce machin? Mais t'es taré. Le vrai nom du machin est le Lazar et il appartenait à un pacificateur très haut placé. Une guerre risque d'éclater si on le rend pas. Tu peux nous aider à trouver un tueur. Ok. Je te donne ce truc stupide. Non, elle a, pour moi, elle a deux personnalités. Parce que... C'est trop chelou. Je paie pas. Vas-y, hein. Non, mais je paie pas, en fait. Genre, Bah, il y a négocié, sinon. Ah, moi, je l'ai pas négocié. Moi, j'ai négocié, mais moi, je paie pas, hein. C'est mort, hein. Vas-y, vas-y. 500? Mais t'es folle! En plus, pourquoi t'as besoin d'autant d'argent? Tu viens de quelle planète? On n'a pas d'eau. Et l'eau coûte de l'argent. Maya... C'est dangereux. Tu veux te faire arrêter par les pacificateurs? Donne-moi ça. Entendu. Personne voulait l'acheter de toute façon. Je me suis même coupé dessus. Par contre, le fait de l'avoir, ça nous dit pas qui est le tueur au final. Hein. Bah ouais. Parce que si elle a vraiment trouvé comme ça sur le cadavre mais directement... Mais elle a plein de personnalités. Je suis sûr que c'était elle, Gollum, qu'on entendait tout à l'heure. Allez, on l'amène. C'est bon. Regarde, ça c'est sûr, ça c'est les développeurs. Regarde les photos. Tu vois, ça fait trop récent. De quoi? Les photos, ah, là. Ah, celle-là, là. Tu vois, okay, pour moi, ouais. C'est des photos de dev. Pas... Ouais, moi, j'avais pas capté. Je fais pas autant attention aux détails. Ma sortie, hein, les malins survivent. Fais bien attention à toi, Maya, quand même. Fais bien attention. Alors, par contre, le bruit qu'il y avait dans la maison, là. Attends, là, on peut continuer? Ok. Pourquoi on est timé d'un coup? Eh, hey, Akon, bah, j'ai trouvé le Lazar. Cool, retourne voir Aitor avec ça. Ça lui fera un cadeau d'anniversaire parfait. Bien que j'ai aucune idée de la date d'anniversaire de cet abruti. Attends, mais ça m'a dit allumer votre lampe torche. Okay. Pourquoi tu veux que j'aie ma torche ici? Y'a un truc caché ou quoi? Non, c'est juste que t'es dans la nuit, je pense. Ah, tu penses? Bon, bah vas-y, go ressortir. De toute façon, on a eu le plus important. On a eu la quête plus l'inhibiteur. Ouais. Ah, d'ailleurs, je dis ça, mais attends, j'en ai encore un à 40 mètres, hein, moi je veux. Bah vas-y, on va le récupérer, hein. Non, par contre, comment on sait... Quelle direction? A priori, c'est vers là-bas. Aïe, je suis éclatée. 37, 36... Ah, moi je l'ai plus, là, c'est plus 37, affiché. 37, 40... J'arrive. 30, ok, c'est par là. T'as un vrai détecteur et inhibiteur, toi, hein. Détecté. Bah écoute, on a le même, hein. Ouais. Mais sauf que moi, je les trouve pas. À mon avis, il est en face, hein, vu la zone de guerre que c'est. Ouais, oh, là, il y a une lance. Oui, ça veut dire qu'il va y avoir un gros mob. Anomalie du grès. Enfin, grès, je dis tout le temps, GRE, pardon. Ouais, GRE. Mais du coup, il y a le... dans la zone de l'anomalie du... Revenez la nuit pour affronter le monstre. Ah. C'est ça, c'est pour ça qu'on a ça et qu'il y a un explosif. Mais ça veut dire que là, la journée, on doit pouvoir aller looter tranquillement. Par contre, ça me donne trop envie de revenir la nuit pour voir le monstre que c'est, pas toi? Ah bah, moi aussi, hein, de se faire... On regarde où c'est sur la map. On a un petit logo, là, de Anomalie. Viens, on fait ça de nuit, on essaiera quand même. Ok. Viens de nuit, on se fait démonter la tête. Ouais, c'est totalement ça. T'as enregistré où c'était? Bah, j'ai regardé, il y a le truc d'Anomalie. Si ça reste, c'est bon. Sinon, c'est à l'est de la map, vers le triangle. Ah oui, je vois le logo. Oui, si c'est tout à l'est du bazar, en fait, en gros. Ok. Ok, juste... où est le... Attends.
C'est là-dedans, en fait. Comment on rentre? Bah, ah, en fait, je pense qu'il y aura quelque chose qui s'ouvrira. Ah, le monstre. Mais il y aura quelque chose qui s'ouvrira. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Là, regarde sur le dessus, c'est là. Viens sur le dessus. Il y a une trappe et je pense qu'elle passera au vert dès qu'on aura buté le monstre. Ah. Viens, on fait passer la nuit direct. Tu veux le faire maintenant? Pourquoi pas? Bah, si tu veux. Sans la quête, elle est loin, donc autant faire passer la nuit et le faire, et comme ça ensuite on va à la quête qui est de l'autre côté. Par contre, pour faire passer la nuit... Là, il y a des mushrooms, là. Oh, prends-les, il y a des champignons. Ah, ouais. Là, il y en a un aussi. Il y a encore une lance. Oh, ça c'est pas... Mais ça va être pour la bataille, il faudra lui envoyer des explos et tout ça. Ok, bah go faire passer. Du coup, on est obligé d'aller, je pense, tout à l'ouest. On va retourner au bazar. Hein. Vas-y, ouais. Go bazar. On passe la nuit et on vient tenter ça. Ah, il y a des hurleurs, fais gaffe. Hein. C'est ça que j'aimerais monter sur les toits. Ah, il est par où le point? Il est plus à gauche, mais... Il y a des gens qui se font manger la nuit. Oh là 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 là. Quoi? Ça sent mauvais d'aller dans ce bordel. T'entends les cris? Bah ouais. C'est bon, ça va mieux. Il y a eu des coups de feu. Attends, j'ai cru entendre un coup de feu. Moi aussi, ouais. Ah, il est où le point? C'est le truc à 32 mètres, là, le point bleu? Non. Plus à gauche. Ah, ça doit être 70 mètres. C'est une tête de mort, ouais, là. C'est sûrement ça, ouais. Ah bah, il est là. Oh là 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 là. Allez, t'es prête? Attends, t'es où? Ah, ok, t'es là. Attends, on va essayer déjà de passer. Détecté. Non mais par contre, attends juste. Moi je me mets là, déjà. T'entends, ça me tue vraiment tous ces cris qu'il y a partout autour. Tous les gens qui agonisent durant la nuit, c'est abusé. Ils sont tous... Le boss, ça serait pas la grosse bestiole genre qui attend sur le toit à droite? Si, sûrement. Attends, rencontre ratée, survivant transformé. Ah mais c'est peut-être lui qu'on entend agoniser depuis tout à l'heure alors. Ah merde, bah écoute... On l'entend en train de hurler. Oh là. Ok. Anomalie du GRE. L'anomalie du GRE est le repère d'un revenant. Un infecté, hein? Attends, mais ça commence? C'est moi où ça commence, là? Ouais, ouais, ok, je lâche. Ok, go lui envoyer des explos et tout. Hein, il est où, ça. Il est où? Ok. J'avoue qu'on n'a pas d'UV à côté, en plus. C'est pour ça qu'on a les champis. Et comment on lui envoie les... Alors, faut lui envoyer les explos et ensuite on y va à la lance dessus, je pense, non? Tu crois? Moi, ouais, je pense, la lance pour faire exploser Mais comment on lui envoie les explos, déjà? Bah écoute, tu ramasses, hein, je pense, et puis... Hop, ça envoyé. Maintenant, faut juste la tirer dessus. Tu sais que j'ai un cocktail mollo? Oh oh. Il est où, mon cocktail mollo? Je veux lui envoyer. Ah! Bien joué ça. J'ai cramé, je crois. Par contre, ça n'a pas du tout explosé mon truc là. Il y a des zombies, il y a des hordes qui descendent. Fais gaffe! Ouais, je sais, mais je voulais juste rapprocher ça. Il faudrait une nouvelle lance là. Ah là là, il y a une lance qui a respawn sur le gars pour moi en tout cas. Vas-y. Oh, il m'a touché. Ah, j'ai aussi une mollo, hein, si jamais, mais bon. Je vais essayer de rapprocher déjà tous les explos. Oh, c'est fou, j'arrive pas à les... Enfin, attends. Je vais essayer. Ok, j'ai mis un explo en plein milieu, là. Il est pas mal, hein. Ah ouais? Faut juste pouvoir les déclencher, et je sais pas, j'ai plus de lance, et du coup, je sais pas si ça marcherait, les lances. Oh, mince. Le problème, c'est que... Mince. Oh! Pense aux champis, hein. Ouais. Moi qui ai un truc du V pas trop loin, mais. Ok, les lances, elles ont pas l'air de respawn. Les petits leurres là, ça peut faire un truc ou pas? Attends, et les couteaux de lancer au pire, je suis bête, on a ça aussi. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Faut que j'en recraft. Moi j'en ai. À l'abri, je vais essayer d'en crafter. Faut que tu vises les barils d'explos quand elle est à côté.
Ok. Fabrication. À côté, il est à côté. Allez, reste là par pitié. Vas-y, ça pète pas. Je l'ai balancé. Non. Je l'ai balancé, il a pas pété. Oh, mince. Là, ça va exploser le mien. Reste là, s'il te plaît. Yes. Oh, il a pas l'air d'être content. Oh, il est mort, non? Non, non, regarde sa vie en haut. Ah! Ok, bon. Ah, il y a un. En fait, le problème, c'est qu'il y a le hurleur à côté qui hurle du coup. Hurleur. Mais comment on va faire? C'est moi ou t'as envoyé Zeller? Ouais. Allez, viens par là. Allez, mon petit gars, viens là. Tu veux recrafter des coups de lancer? Oh là là, bien joué! Écoute, je refais des trucs si je peux. Vite. Après, ça se trouve, on peut juste le démonter au corps à corps, mais pour l'instant, on va essayer de le jouer un peu technique. Hein. Tu mets combien de couteaux de lancer? T'en as mis un seul? Dans le truc, oui, mais tu as un logo. T'as un petit cercle, en fait. Ouais, voilà. Bah, quand t'as ça, je sais pas, moi, ça a l'air de marcher. Après, peut-être que t'as encore des D5, hein, je sais pas. Non, mais c'est fort probable aussi que j'ai raté mon truc. Tu sais que j'ai plus beaucoup de mushroom. J'ai plus de mushroom et puis il commence à gueuler mon perso en mode. Ah, j'avoue. 2 minutes 14. Hein. Ah, on va y aller au corps. Ah, j'ai envie d'aller le taper au cac. Hein. Ah, je vais juste renvoyer un couteau là-bas. Attention, hein. Juste en dessous, il y a un truc qui va exploser. Ah, ça l'a loupé, hein. En fait, le problème du corps à corps, c'est tout ce qu'il envoie autour. Mais sinon, je pense qu'on peut y aller. Hein. Ouais. Ah, on a une espèce de ventoline. Booster d'immunité. Régénère une grande partie de votre immunité. Ah, moi, je l'utilise. Celui-là, il est bugué. Ouais, moi, j'ai encore des champis. Ok, je vais prendre ma massue, là. Je vais m'équiper d'elle. Il esquive un peu les coups, quand même. J'ai l'impression de pas avoir la bonne massue, en fait. Ok, je vais prendre la grosse batte. Et j'y vais, hein. Ah, moi, je suis tuant. Ok. Ah, y a beaucoup de zombies autour en fait aussi. Mais la petite molo en vrai, elle pourrait peut-être faire le taf là-dessus. Ah, y a quand même beaucoup de zombies effectivement. Je vais essayer d'envoyer la molo entre les deux. Oh, bien joué. Par contre, il a sauté, c'est un petit malin. Ah, je me suis raté. Oh, je suis à terre. Ah, ça, ouais, j'ai entendu le bruit, je l'avais pas. J'entends une grenade, j'entends un truc. Attends, t'es à terre au-dessus? Non, c'est bon. Ah, mais t'es pas à terre? Ok, j'allais te relever sinon, enfin j'allais tenter. Il est très loin. Il faut que je me heal, sinon je suis foutu. C'est bon. Oh, il est mort. T'as un crack. GG ça. Oh, c'est toi qui as tout fait quasi, hein. On va pas se mentir. Tac. Oh là là, bravo. Je remonte vite fait. Ouais, vas-y. Ah, t'as raison, ça s'est ouvert du coup ici. Ok. Bon, on va déplacer, hein, pas besoin de tuer les autres zombies en bas. Je pense que le loot il est là de toute façon. C'est bon de toute façon. Ah, oh, bien joué, hein. Yes, bien joué. Là. Oh là là, ça fait plaisir. Un petit colis, un casque qu'on a eu. Ah, dis-moi qu'il y a deux portions d'inhibiteurs. Ouais, il y en a deux. Ah, il y a des boosters d'immunité. Bah, je vais peut-être pas les utiliser par contre, ces petits boosters. Je m'équipe tout de suite du nouveau stuff. Du nouveau stuff? Il y a eu des nouveaux trucs? Ouais, on a eu une casquette là, un nouveau truc. J'avoue que j'ai juste full looté là, j'ai pas trop regardé avec les trucs. Et tu me diras, quoique, il y a mon truc qui gueule pour me dire il me reste une minute 38, donc je vais peut-être sortir de là. Ah, t'as raison, c'est moins rare, mais ça a l'air mieux là ce qu'on a eu, t'as raison. Attends, mais c'est où la lampe UV là? Je panique. Il me reste une minute 20. Horse? Oui, il me reste 30 secondes. Je me casse. Hop. Ok. Lampe UV 130 mètres, let's go. C'est bon, on a le temps. En une minute, on a le temps, je pense. Sinon, j'ai encore un. Mon perso, il pousse et tout. What the fuck? Après, on a sortes de. Comment? De ventolines, là, qu'on a looté. Ouais. C'était juste pour éviter de les gaspiller là-dessus, quoi. J'avoue que je me pensais un peu plus large. Ah, ça devrait le faire, quand même. Moi, je pense que ça va passer.
pire, je me transformerai. Toujours rêvé d'être un zombie. Ah ouais? Non, pas du tout. Oh, ça m'énerve, je trouve pas l'entrée. Ah, j'avoue que c'est là-dedans. Bah, juste là-devant, c'est bon? Là? Là où je suis? Bien devant, là. C'est bon. GG, ça. Bon, bah, GG. Bah, voilà, GG, ouais. C'est parce que vous ne me comprenez pas. Ah, c'est une quête secondaire, elle. Personne ne le comprend. On peut passer la nuit là-dedans. On va focus quand même la principale. Ah oui, j'avoue que ça aurait été bien. Bon, eh, franchement, on peut aller... De toute façon, c'est quoi, là? C'est le compte-rendu. On doit juste traverser, ouais. Et on retourne au QG des autres, là, en bas. Donc, ouais, bah, vas-y. Hein. Allez, let's go. Bah, c'est par là. Là, ça fait haut, quand même. Aïe, oui. Ouf. Oh, je me suis éclaté. Ah ouais? Oui. Oh là là, moi, je me suis explosé. Oh non, 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 non. Oh, je me suis raté. Je fais des bêtises. Je suis tombé tout en bas. Pas grave. Je sais pas du tout par où je vais passer, moi. Moi, je reste en haut, mais c'est pas mieux au final, je pense. Ouais, c'est pas... pas évident, là. Un chemin, mais du coup, ça, je fais un petit détour. Oh là, bah... Oh, j'ai... Oh, alors là, je viens de faire une belle connerie. Panique pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis à terre, je suis morte, et en plus, je me suis fait choper par un hurleur. Aïe, je suis tombé. Oh, je vais faire respawn. Oh, mince. Ah, la nuit, c'est quelque chose, hein. Ah, je suis arrivé, mais je me suis... Ah, du coup, je suis à 23 mètres, c'est pas plus mal. C'est bon, on est dans la planque. MDR. Allez. Oui, t'es vraiment... Ah, mais toi, t'es dedans, ok. Ah ouais, ouais. C'est pas plus mal, tu vois. Allez, viens. J'arrive, hein. Y'a quelqu'un? Ah, oh, le pèlerin est de retour. Les mains pleines, j'espère. J'ai trouvé le Lazare. Oh, bordel. Je savais que t'étais capable de faire mieux que nous. Où est l'enfoiré qui l'avait? À Meatpacking Square. Tu l'as pas laissé partir, hein? Ça pourrait être le meurtrier. C'était une fille, une dizaine d'années. Mais c'est pas elle qui l'a tuée, elle a juste piqué le truc. Arrête, on continuera ça plus tard. Laisse-nous. Tu m'emmènes au centre, hein. C'est quoi ce tatouage? Ouais, on s'en fout du tatouage, non? Bah ouais, mais c'est peut-être un truc important, on sait jamais. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris, on te demande. On dirait une constellation sur ton bras. Ce sont des tatouages de rang. Quand les ressources ont commencé à manquer, les tatouages ont remplacé les médailles. C'est un signe hiérarchique. Comme en prison? La prison ou les militaires, c'est la même chose. Il y a toujours une hiérarchie. Ok, okay. Allez, on va au centre? J'ai fait ce que tu voulais. À toi. Fais-moi entrer dans le centre. Ouvrir le tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences, pèlerin. Le commandement veut que je trouve le tueur. Et Thor t'a promis! Calme-toi, pèlerin. Je tiens mes promesses. D'abord, prends ça, un gage de gratitude. Hey Thor, je dois aller au centre, tu comprends? Tu cherches quelqu'un, c'est ça? Je veux aller à la boucle centrale aussi. Ma femme et mes enfants sont là-bas, et je peux pas les protéger si je suis coincé ici. Le tunnel s'ouvrira quand je trouverai le tueur. C'est clair? Tu peux m'aider? Ou tu peux attendre que je le trouve moi-même. Je vois des traces de sang sur les lames du Lazare. Lucas a réussi à blesser son assassin avant de mourir. Le bâtard doit avoir une méchante entaille. Si tu le trouves, tu feras pas que m'aider. Tu le feras aussi pour toi. D'accord. Est-ce que t'as des suspects? Le commandant s'est fait tuer dans le bazar. C'est forcément l'un d'eux. Oh. Ok. Je trouverai le tueur? Oui. On a eu un beau petit hachoir. Ouais. Je vais essayer de trouver l'assassin de Lucas. Magnifique.
C'est ton ticket pour le centre. Retourne au bazar. Y a autre chose que je devrais savoir avant d'y aller ? Oui, effectivement. Mais c'est top secret. Il faut surtout pas que ça se sache. Ça a l'air sérieux. Celui qui a tué Lucas a pris un petit trophée. Il a découpé son tatouage directement sur son bras ensanglanté. Ils ont taillé dans le cadavre ? Oh, c'est vraiment dégueu. Ouais, sérieusement. Si les hommes découvraient que Lucas a été profané comme ça, ils perdraient leur sang-froid. Et ce serait la guerre totale. Je te le dis parce que si tu trouves ce petit trophée, alors tu trouveras le malade qui a tué Lucas. Compris. Je pars tout de suite. Il en fait, a une empaille sur le visage quand même, le monsieur. Moi, je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas du tout de compromis, en fait. Parce que en gros, il ne nous ouvrira pas à nous. C'est juste parce que le tunnel va réouvrir une fois qu'ils auront le tueur, c'est tout. Mais c'est pas du tout pour nous, en fait. Hein. Vous avez des inhibiteurs... Hein, quoi ? Des inhibiteurs non utilisés. Ah. Eh ben, on va pas dire non. Eh ben là, je vais le mettre dans la santé. Ouais. Par contre, les points en parcours et tout, c'est long pour monter, hein. Bah ouais. C'est long pour monter les stats là, ouais. Par contre, le hachoir, il est où là qu'on a eu ? Il est pas mieux quand même que mon conduit puant. Bah, je t'avouerais que. Toujours en vie ? T'es inquiet pour moi en fait ? Bien sûr. J'ai de grands espoirs pour toi, Aiden. Rejoins-moi dehors.